des pensées cisterciennes. Bienvenue sur Terre éternelle. Être pensée ou penser l'être? L'être suprême. Ouvrons une page au hasard. Ah, doucement, par contre, c'est très fragile. La dignité du sacerdoce. Sacerdoce, ça veut dire. Souvenez-vous, Seigneur, de David et de toute sa douceur. Gloire au Père, le Seigneur, ô Dieu puissant, que cette sainte solennité du bienheureux. Alors, N, deux points, je peux se dire, votre confesseur est pontife, augmente en nous l'esprit de piété et de désir de notre salut par notre Sauveur Jésus-Christ. Lecture du livre de la sagesse. Là, on commence à rentrer dans. Mais pourquoi, grand-mère ? Voici un grand pontife qui a été agréable à Dieu pendant sa vie, qui a été trouvé juste et qui est devenu le réconciliateur des hommes au temps de la colère. Nul n'a été enlevé en gloire comme lui. Il a conservé la loi du Très-Haut. C'est pourquoi Dieu lui a juré de perpétuer sa gloire dans sa postérité. Il l'a comblé de la bénédiction de toutes les nations. C'est pour ça que quand j'étais petit prophète de garage, j'ai changé les croix de distribution avec mes mains. Et c'est de là que je me suis dit, oui, mais avec mon âme, avec mon cœur, je dois faire quoi? Ben, je vais changer les croix de discrimination. Et là, je me suis lancé dans un truc. Ça m'a mis dedans, mais alors dedans, tu es dedans. Mais c'est pas grave. Plus lobe gauche de mon cerveau, lire Dr. Melvin Morse. La divine connexion, le jardin des livres. C'est un mec qui a travaillé sur les morts infantiles, ça rigole pas. Il a écrit des bouquins assez balèzes. Sur le lobe gauche, lobe droit du cerveau, vortex gauche, vortex droit, comme tu veux. Comme tu veux, tu choisis. Il l'a comblé de la bénédiction de toutes les nations. Et il a fait avec lui. Ah ben là, c'est dur à trouver la suite. Doucement. L'alliance qui durera toujours. Voilà, nous sommes dans l'alliance de la trilogie. L'alliance des peuples. Le pouvoir par et pour les peuples. Moi, fils de Catherine Marie-Thérèse, qui suis pour les quatre P. Le pouvoir par et pour les peuples. Enculeur de Jnoun, de Satan et de plutocrate de merde. Vous allez morfler, mais vous allez. On va être bien chauffé par le soleil, car c'est vos âmes qui crament en enfer, bande d'enculés. Sinon, ça va ? Impeccable. On était où ? Qui durera toujours, l'alliance qui durera toujours. Voilà, être au conseil galactique temporel, c'est pas le conseil général de Ciotti, là. C'est pas des enculés de merde qui prennent tout le pognon, qui se gavent, qui vendent des armes pour que tout le monde se foute sur la gueule, qui cultivent le racisme et la haine. Non. Oui, mais pourquoi, grand maître ? Il l'a élevé devant les rois, il l'a couronné de gloire, il a fait avec lui une alliance éternelle. Voilà, c'est exactement ça. Oui, Père, je suis en toi, avec toi et pour toi. Oui, Marie, je suis avec toi, en toi et pour toi aussi. Oui, le genre humain, c'est pas de leur faute parce qu'ils sont conditionnés, mais à tel point, le programme du jeu, l'homme, il croit qu'il a inventé quoi, là ? Franchement. Et les Goldman, et les Cabrel, et les machins. Quand ils crevaient de faim, oh, ils ont fait des belles chansons, et encore qu'il y en a, ils ont trahi. Mais après, une fois qu'ils sont pleins de pognon, ils en ont rien à foutre de tout le monde, vous pouvez tous crever la gueule ouverte. Les mecs, ils sont là, ils cultivent leur bonheur, leur torpeur, dans leur petite chaleur du cocon familial. Leur jouissance. Ou, pendant ce temps-là, tous les peuples crèvent de faim. Leur ego hyperprofié. Si moi, malgré tout, vous m'avez reconnu, je serais comme ça. Le culte de la personne. Il y a un os dans le cosmos, il y a toujours un souci dans la galaxie. Mais maintenant, que le règne vienne. Maintenant, ça va vraiment chier.